Putain, mais comment c'est beau, c'est incroyable. Mais sérieux, pourquoi je découvre ces univers trop longtemps après moi? Wow. Tu peux éviter de t'immiscer dans les conversations des gens? C'est pas évident, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens comme vous. Avec l'apparition des haltères, il y a des gens lézards, il y a des personnes à quatre bras. Oula, attendez, attendez, quoi? Vous venez dire quoi là? Ouais. T'es une fille ou t'es un chien? Choisis frérot, hein. Bah après, il y a beaucoup de filles qui sont des chiennes, hein, c'est pas... Voilà, mais on dirait que vous venez d'une autre époque, hein, J'avoue que là, je comprends pas de quoi vous parlez, quoi. Vous savez ce que c'est qu'un alter, quand même. Bah, c'est à la salle, quoi. Tous les jours, je pousse de 14 à 16. Enfin, voilà, comme c'est pas... Hey, pourquoi il se moque de moi, lui? Parce qu'il a raison de se moquer de toi. On parle pas des alters qu'on soulève à la musculation. Alter, c'est le pouvoir dérivé du mot altérité, qui signifie la différence propre à chacun. Excusez-moi, monsieur, vous parlez si bizarre, mais est-ce que votre pote prend de la drogue? Wesh! Par contre, descends ma tête, toi, parce que je vais te pulvériser, sale bouffon. Oh, il faut un duel de yeux, je connais ça. Baston. Wesh! Calmez-vous, Oh, 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 c'est quoi ça? Pourquoi il y a un poulpe? Je suis humain, attention. Ouais. Non. Et regarde ce que je sais faire aussi. Vous êtes quoi, s'il vous plaît? Enfin, vous venez d'où? De quelle planète? Mais je suis né sur Terre. Vous êtes l'accouplement d'un poulpe et d'une balle de ping-pong? Regardez votre corps, wesh! Envoyez un tentacouille! En tout cas, je peux vous dire que ça commence bien, j'ai hâte de voir la suite. Là, les grands murs derrière, c'est UA, c'est une académie de héros. Ah ouais? Ah bah bonjour, ouais, monsieur, professeur. En plus, c'est un fatigué de la vie, faut faire attention. Pur que Vegeta. Mais tu peux pas être professeur, t'as 4 ans. Tu vas être à 5 ans. Wesh, ouais. Regarde, tes yeux, on dirait une horloge. Faut y aller mollo sur la bédave, frérot, là, ça va plus, là. Oh putain, vous êtes jumeaux. Ah ouais, ça va, mon ref. Tranquille, alhamdoulilah, on est là. Le mélange tranquille, alhamdoulilah, place en même temps, c'était bien. Après, c'est affirmerie, je sais même pas moi. Wow. Et ça, c'est l'académie, mais comment c'est grand? Je vous présente mes trois petits frères. Wesh! Je suis à quoi? C'est quoi, là? On les appelle les mini-justiciers dans le milieu. Mais vous portez encore des couches? Vous voulez pas faire le truc des stages, là? C'est où le stage? J'avais oublié mon planning. C'est où? Viens, chez nous. Wesh, Tinky Winky, vous appelez comment? Oui, je me suis le professeur quand même. La dernière fois, il a voulu qu'on touche le sgeg pour qu'il pisse. Quoi? T'as dit quoi là? Non, mais c'est quoi cette école? Putain, quel dommage que ça lag, hein, parce que je vous jure, c'est déjà incroyable. Hein. Wesh, y'a un cours, on me prévient même pas. Wesh! Géox, les mollets qui respirent. Non, mais faut vraiment être aveugle pour pas arriver à sauter dans l'eau quand même. Wesh, ça va? Wesh les gens, comment vous y allez? Lui tu vois il est en classe assistance, il a assisté. Oh, il y a un terrain de basket. Eh hey, classe assistance, on peut faire le ballon s'il te plaît? Je suis pas de la classe assistant moi, mais arrêtez. Tu es un élève des Yuwei qui peut me téléporter ainsi et là-bas. Ah ouais, c'est ce que... donc ça le ballon de basket, une boule de pétanque. Non, cette boule elle fait la taille de mes couilles. Mais quoi? Mais tout à l'heure j'ai vu un poulpe, il était en train de se toucher le kiki. Et son kiki faisait ma taille, du coup j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai sucé. De quoi? J'ai rien entendu, je me casse. Oh putain, ce qu'il vient de dire. C'est quoi c'était... Wesh, t'es une autruche ou t'es un humain? Faut choisir frère, c'est quoi ce coup là? Wesh, mais y'a pas de cours dans cette école? Eh hey, les Teletubbies, je peux vous parler vite fait? Parle-moi par contre, respecte. Toi t'es le grand chef du groupe, toi c'est sûr. Tiens, toi tu veux que je te mette un pénalty dans la tête? Du coup là, que tu fais là, instaure le respect dans l'école, c'est bien compris. Oh tout le shit qu'il doit y avoir dans les casiers. Eh hey, mais c'est super grand en fait hein. C'est ma chambre. C'est ça ta chambre? Ça va là ta chambre, pépère hein? Putain. Ah, écoute, quoi, pourquoi t'as fermé la porte? Tu veux nous braquer ou quoi? Vas-y, toi le petit, vas-y, va avec lui. Wesh. Moi, je suis comme ça, tu t'assois, toi. Tu vois pas le tableau de l'autre côté? Je vais dire votre nom de super-héros. Essayez de le faire coïncider avec votre alter. Bonjour, salut à tous. Je suis un homme poulpe, héros de téléportation. Moi, c'est Boule Bizarre. Se moque pas. Moi, c'est Fire Duke. Et moi, c'est Little Boy, comme la bombe, là, Little Boy. Wesh. Oh. Je m'appelle Kai Salas, pas encore un super héros, mais ne vous inquiétez pas, je vais le devenir. Non, super héros, c'est Doku, le Poisinus. C'est quoi, tu envoies du lourd? T'inquiète, je vais te les enflammer là. On est pas sur Planète Rap, hein, tu dois juste dire ton super héros. Ouais, moi c'est Cody, j'ai l'alter feu, mon nom c'est Juan Caliente. J'aime bien, il y a de la variation des langues, j'aime beaucoup. Je m'appelle Pierre Gourmand, mon alter c'est Ombre, et mon nom de héros, comment on dit Ombre en anglais? Shadow. Mais, mon nom c'est Red Shadow Legend. Ah, ça j'aime bien, ça il y a de la Red Shadow Legend. Zarma, t'es une OP, c'est ça que t'es en train de dire. Bah ouais. Là, vous prenez du passage. Oh, laisse passer, oui.
Mais ce qui est drôle, hein. Non mais tu vas te calmer avec ta caméra, tu vas pas filmer tout le monde à chaque fois. Pour animal, je vais appeler un héros, il va me botter le cul. Pourquoi tu me racontes ta vie, je m'en bats les couilles en fait. Tiens, bouge-toi. Il est complètement malade lui. Wesh, oh, ça va pas de montrer ses yep à tout le monde là. Non mais va mettre des chaussures frérot, oh, respecte-nous un peu là. Oh, c'est donc à ça que je ressemble. Comment je suis beau gosse. Ouais, j'ai envie de te faire l'amour, ouais. Quoi, pardon? Il a sorti sa caméra, il s'apprête à filmer. Sors avant que je te suce. Ah, mais toi, il a dit quoi, sors avant que je te suce? C'est la... c'est la meilleure menace que j'ai jamais entendue de ma vie. Ah, sinon vous allez bien les mini-justiciers là. C'est qui le chef de votre bande, les gars? C'est elle. Je suis un vilain de base. Hein. Oh, t'es un méchant! J'en cherchais un. Eh, hey, t'as pas un repère de méchant là? Parce que là, les gentils, ils font chier. Bon, à part les Teletubbies, ok, je vous compte pas. Vous êtes drôle, vous. C'est lui, mon chef en haut là, c'est lui. Juste pour savoir, vous êtes le chef, on aimerait bien devenir des méchants. Je ne suis pas là pour rigoler, tu as l'air d'être quelqu'un de profondément gentil. Moi, je suis gentil! Wesh! Eh oh, ça va pas de me gifler, mais arrête! Tu n'es pas à la hauteur. Mais si, je suis méchant, mais c'est juste que j'ai du respect pour toi, sinon je me serais battu depuis tout à l'heure, hein. Très bien, suis-moi, jeune homme. Présente-toi, jeune homme. Écoutez, je m'appelle Nino Pellegrino, hein. J'en ai marre du bien, c'est chiant, les gens sont chiants. J'ai envie d'être un méchant, quoi. Je suis avec le bec, vous pouvez mieux vous positionner, s'il vous plaît. T'inquiétez pas, c'est un mec de BFM TV, il a l'habitude de faire des reportages sur les méchants. Quel est ton alter, jeune homme? Vous savez un peu de tout, le feu, le vent, la glace, ce qui vous convient en fait. Oui, aïe, mais arrêtez de me... Quel est ton alter? Vous vous énervez pas s'il vous plaît, c'est juste que je sais vraiment pas. Déclenche ton alter. Mais quoi, c'est comme ça que vous les déclenchez, moi, magique, mais arrêtez. Wow. Eh bah voilà. C'est moi qui ai fait ça. Explosion, intéressant. Quels sont tes objectifs exactement? Oui, je suis à Zoro. Mais... Regarde, avec mon collègue, je fais la même taille que toi. Bon, écoutez, je vous propose qu'on fasse cette discussion une prochaine fois. Eh, toi, à la gauche, j'entends tes bruits de pas. Ok. Quels sont tes objectifs? Et sachez que si votre ami, avec son bruit de parquet insolent, n'est pas sorti de cette pièce dans les 5 secondes... Ouais, c'est votre parquet, c'est pas le mien, déjà. Ça me tue. Monsieur, vous mettez un masque parce que vous faites le ramadan, c'est ça? Vous avez mauvaise haleine? J'en ai marre.